Oui, bonjour tout le monde, enfin bonsoir plutôt, puisqu'on est presque 9h du soir. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, Stéphanie, merci hein, pour ton petit colis, je te dirai demain, je le recevrai demain, normalement. Et pour les tampons, Magnolia, je t'en prie, avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, ta copinette, elle a fait ce style de carte là tout à l'heure. Eh ben, figure-toi que j'ai cogité dans ma petite citrouille et j'ai réussi à la refaire. Enfin, à peu près identique. Donc, je vous proposerai le tuto demain matin parce que là, ce soir, c'est trop tard. Puis avec la chaleur, hein, je vous dis pas, on va bien finir par se liquéfier à force. Donc, voilà. Donc, Stéphanie, tu diras merci à ta copinette pour m'avoir inspiré ce tuto parce que c'est vraiment une super idée. Check Betty, Scrapsuite, elle avait proposé des cartes un peu dans ce style. En fait, c'est le format d'une carte postale, en fin de compte. Donc, j'ai noté mon petit tuto et puis je vous le proposerai demain matin. Voilà. Je vais mettre un petit papier dans mon petit carnet. Oui, c'est un petit carnet Bambi que j'ai acheté à Action. Ils vont super bien, ces petits carnets. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, normalement, tous les lots ont été envoyés. Hein, j'ai dû envoyer tous les lots du concours, j'ai tout envoyé. Donc normalement, vous devriez y recevoir dans la semaine. Et ben voilà, c'est tout. Oui, je vous proposerai donc le tuto demain. Parce que ce soir, il fait vraiment trop chaud. Demain matin, ça sera mieux, il fera un peu moins chaud. Voilà. Autrement, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Bah, plus rien d'extraordinaire, pas grand chose de plus. Hein. Donc, ah oui, le matériel pour faire ça, si vous voulez y préparer. Alors, il vous faut une feuille A4 de la couleur de votre choix. Il faut un papier de fond qui sera assorti à votre papier décor que vous aurez choisi. Hein. Moi, en l'occurrence, j'ai pris le bloc d'Action. Je ne sais pas si vous l'avez. C'est marqué. Do more what make you happy, celui-là. Voilà, il y a des papiers qui sont intéressants dedans. Après, bon, des trucs comme ça, là, ça, je sais pas si ça. Bon. Donc, il vous faut. Moi, j'ai pris une feuille du bloc d'Action, une feuille blanche épaisse A4. Donc, vous prenez la couleur que vous voulez. Vous prenez un papier de fond qui sera assorti à votre papier décor. Il vous faudra aussi de la colle, évidemment, et une perforatrice qui arrondit les angles. Mais moi, j'ai fait une bêtise parce que j'ai collé la cravate avant de perforer les deux côtés, enfin les deux parties. C'est pas très grave après, hein, voilà. Donc, ça donne ceci. Et voilà. Donc, il vous faudra une feuille qui fait le format d'une carte postale. Alors, ça fait 10,5 de large par 15 de long. Ensuite, il vous faudra un papier de fond. Il faut faire 14,9 par 10, voilà. Et le papier décor, eh ben, ça sera 14,5 par 10, voilà. Et pour faire la petite cravate là, moi j'ai fait 6 de large par 21 de long. Et vous pliez le tout en deux, et ça vous fait un petit truc comme ça. Et puis au dos, bah, vous écrivez votre petit texte. Voilà. Et puis là, bah, vous pouvez mettre un petit like, un petit sticker, enfin un petit quelque chose. Bah, voilà. Et vous pouvez envoyer ça bah, à une copinette. Voilà. Et ce qu'il y a de pratique, c'est qu'elle tient debout. Voilà. Ça tient debout. Voilà. Donc, c'est ce qu'il vous faudra pour faire cette petite carte. Parce que c'est... l'homme du scrap, il y a une de ses copinettes qui lui avait envoyé une carte de ce style. Et comme j'avais acheté des cartes postales pour le cahier des régions, d'ailleurs, c'est toujours en cours, hein, ce sera... tout le mois de septembre jusqu'à début octobre. Donc je vais clôturer les participations aux alentours du 15 septembre. Voilà.
Et ce sera tout le mois d'octobre, hein, voilà. Comme ça, voilà, vous aurez le temps de participer. Voilà. Pour les participations, de toute façon, je vous mettrai dans la dernière vidéo, en dessous, dans la description, je vous avais mis mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas. Oui, ça vous me... Merci pour tes compliments. Bah, il n'y a pas de souci parce que tu sais, la carte triple, je m'étais trompée pour faire une créa. Et j'ai trouvé que c'était bien sympa pour faire une petite carte. J'ai dit, allez, hop. Du coup, bah, je l'ai gardée pour faire une créa. Et le papier utilisé, si ça t'intéresse, c'est un papier de Ciaubella. Sweet Home, un truc comme ça. Un nom comme ça. C'est un papier de Ciaubella. Il y a un oiseau dessus avec la fontaine, là, tu sais, que je t'ai mise sur le devant du petit album. Oui, l'album, c'était. Je m'étais trompée. J'ai dit, bon, tu vas faire quoi de ça? Puis j'ai dit, tiens, ça serait sympa de faire un petit album. Donc j'ai fait une petite pâte. Et du coup, eh ben, j'ai rajouté un petit morceau. Je l'ai décoré. Et puis voilà. Bon, c'est un petit truc sympathique. Hein. Enfin, je suis très contente que ça t'ait plu en attendant. Et puis pour. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Stéphanie, ben, je te dirai dès que je recevrai le colis. Normalement, d'après la poste, je devrais le recevoir demain. Je ferai la vidéo et ma soeur m'a dit de te remercier aussi pour les petites choses que tu vas nous donner. Voilà. Et autrement, ben, et ben voilà. Donc, demain matin, je vous ferai la vidéo de cette petite chose-là qui est bien sympa. Voilà. C'est vraiment une super idée. Et puis j'ai essayé, j'ai fait un essai, j'ai dit bon bah je vois que ça fonctionne bien, que c'est bien, j'ai dit allez hop, je vais le proposer en tuto. Donc je répète pour faire cette petite carte, et après je vous laisserai aller regarder la télé. Je crois que je ne sais même pas ce qu'il y a ce soir à la télé, il n'y a pas grand chose en ce moment avec les vacances, ils mettent pas grand chose de bien. Donc pour faire cette petite carte. Comme ceci. Donc, il vous faudra une feuille A4 épaisse de la couleur de votre choix. Un papier de fond assorti au papier décor que vous allez mettre. La colle, votre massicot. Et une perfo qui arrondit les angles. Enfin, après, arrondir les angles, hein, c'est en option. Hein. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Hein. Normal, ça le fait aussi. Hein. Donc, j'essaierai de vous proposer ça demain matin. Ou vendredi matin, je verrai. Dès que j'ai un petit moment, je vous proposerai le tuto. En attendant, vous préparerez ben, vos papiers. Hein. Je marquerai les dimensions en barre de description. Pardon. Comme ça, parce que bon, écrit sur l'ardoise, étant donné que je filme avec mon portable, ça fait à l'envers, donc ça va pas. Donc, je vous y mettrai quand même en barre de description et je vous le dirai oralement, bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà, sur ce, eh ben, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis soit demain matin, soit vendredi matin. Voilà, gros bisous à tous.